fière d'être noire et le transmettre. C'est le combat de Cécile Kengue comme ce matin au lycée Marie Curie de Strasbourg. Ses rêves de petite fille, elle les a réalisés. Celle qui voulait être médecin est ophtalmologiste et femme politique. Aujourd'hui, on a la libre circulation, il faut avoir aussi la libre circulation des idées. Et donc, venir ici parler aux jeunes, je crois que c'est très important. Ils ont besoin de vivre et voir la réalité en face, de voir les gens qui sont en train de lutter dans les institutions pour les lois hein, qui sont appliquées sur eux aussi et qui luttent pour les droits des autres. Et donc, arriver ici, leur faire voir que nous sommes là en chair et os et on se bat pour les droits de tout le monde, c'est important. Née en République démocratique du Congo, elle a traversé les frontières. Arrivée en Italie, la jeune femme fait face à de nombreux obstacles. Victime de racisme, Cécile Kengue s'engage pour la défense des droits des immigrés. Et puis un jour, à 40 ans, elle entre en politique. À 49 ans, elle est nommée ministre italienne pour l'intégration. Aujourd'hui, elle continue son combat au Parlement européen et transmet aux jeunes sa combativité et l'envie de réaliser des rêves. On peut réussir malgré les discriminations. C'est un autre motif qui m'emmène dans les écoles pour parler avec les étudiants. C'est de dire qu'il ne faut pas renoncer à son propre rêve. Et donc, il faut faire confiance aux institutions, à l'école et surtout aussi à la famille pour que nos rêves puissent être réalisés. Et de notre côté, on ne peut pas abandonner les jeunes. On doit tous travailler dans cette société pour que chaque rêve puisse être une réalité. Les lycéens n'étaient pas timides ce matin. Leurs questions, ils les ont posées sans hésitation à l'eurodéputé. Et puis, elle a passé le relais à Lilian Thuram, qui lui aussi se bat avec sa fondation contre le racisme et toute forme de discrimination. L'ancien footballeur impressionne. Un peu, au début. Et puis les langues se délient, les élèves se détendent. Pas de place au tabou dans cette salle. Parler de racisme ou d'homophobie, se questionner sur ses propres préjugés, c'était tout l'enjeu de cette matinée. Penser que mépriser certaines personnes, c'est tout à fait normal. Non, le mépris, c'est pas quelque chose de normal. Et lorsque, par exemple, on parle d'homophobie, on parle de violence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes adultes homosexuels qui mettent fin à leur vie. Mais ils mettent fin à leur vie à cause de nous, de la société. Parce qu'on leur envoie une image négative de ce qu'ils sont. Ce n'est pas eux qui ont un problème, c'est les autres. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, nous avons beaucoup plus de capacités qu'on le croit. Et qu'il faut travailler à développer une très très bonne estime de soi. Très souvent, dans le racisme, dans l'homophobie, il y a aussi des gens qui méprisent les autres pour se rassurer sur ce qu'ils sont. Les élèves auraient bien continué la discussion, mais la cloche a sonné. De cette matinée, les lycéens pourront garder une photo de classe. De quoi se rappeler les débats et s'interroger à nouveau sur ses propres actes.